Reconnais, reconnais. Allez, on recommence encore. Allez, encore un coup. Allez, encore un coup. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pascal. Joyeux anniversaire. Bravo. Janine, la femme la plus gentille que je connaisse. Pascal, l'homme le plus gentil et talentueux que je connaisse. Liliane, la femme la plus gentille que je connaisse. Michel Bella, l'homme le plus gentil que je connaisse. Et les gens merveilleux qui sont là, avec une femme dont je suis déjà tombé amoureux 4 fois. Et je sens que je parie. Alors je vous annonce de la part de Michel Mella, qui m'a prié de vous faire un jour vous lire les poèmes érotiques de Serge Bastille, l'intégralité de son livre, les poèmes de l'irrévérent Père Bastille, avec une muse, avec ses chants accompagnés, avec ses nez. Michel m'a prié de le faire et prie les dames d'être présentes. Mais Michel est un gros cachotier. Il m'a dit d'annoncer ça pour ce qu'il dit. Je lance une. C'est normal, je suis un peu cochon, ça me permet d'aller à bon port. Mais c'est donné un exemplaire, Michel. Et il m'a dit ça, il va falloir faire quelque chose avec ça. Michel, on ne le croyait pas. Si t'écoutes tout ce que Pierre-Henri dit, c'est pas par rôle Mais c'est un anniversaire, il n'y a pas de bouteille de champagne. Champagne. Alors maintenant, elle veut du champagne. Michel, il faudrait qu'il passe du champagne pour Pascal. Si tu payes le champagne, moi je veux bien. Bon, j'amènerai une bouteille en douce, j'ai acheté un métro. Mais une bonne bouteille. D'accord ? Tu crois qu'on va venir au restaurant avec une bouteille achetée chez Métro, toi ? Non, t'as pas compris ? Oui. On achète une bouteille chez Métro qu'on va boire chez toi. Chez toi. Avec des choses achetées que par Métro, tout ce qu'il faut pour un bon anniversaire aussi. Par exemple, on peut prendre. Michel, chez Métro, t'as deux. Michel, chez Métro, t'as de magnifiques gâteaux anniversaires. Je viens avec un gâteau anniversaire de chez Métro, prévu pour toi. C'est trop tard pour ce soir. Non, mais c'est pas grave, on peut le refaire. Alors, on fera chaque fois une soirée de non-anniversaire pour Pascal. Dans la tradition de Sophie au Pays des Merveilles. Dans un an, ce sera le premier anniversaire de Métro. Où est Frédéric? Debout. Il est là, Frédéric. Frédéric. Voilà, pour la chanson, je viendrai un de ces jours, je ne m'en parlerai rien. Voilà, donc on laisse place à Rémi Boisseau qui est... Boisseau.
Donc la prochaine chanson, c'est la deuxième évacuation de la soirée. Profitez d'en même, parce que après, ça fait la chanson plus. Alors, cette chanson, il y a quelques années que j'avais écrit, je vais vous l'interpréter ce soir. Merci d'abord, Joël Comte, et Roboisine d'avoir organisé cette merveilleuse journée. Je vous demande de faire une chaleureuse amuse à Roboisine, à Joël, et à toute son équipe. Isabelle Jasmin, Françoise Lavalli. Et d'autres encore. Je voudrais remercier tous et aussi faire une ovation à toute l'équipe et la direction de l'Indochine qui nous accueille toujours avec dévouement, sourire et chaleur. On peut les applaudir aussi. Bravo. Et puis, mon cher Pascal. Je salue le collectif des écrivains Night. Et tous ensemble, on a voulu. Tu es le symbole de la cohésion nationale, tu es le symbole de cette culture, de deux peuples qui se sont rencontrés et qui n'ont fait qu'un grâce à toi, entre la Côte d'Ivoire et puis la France. On dit qu'à Midi on ne voit rien, mais je crois qu'on y voit plus que nous. Donc cette fois-ci, je voulais te remettre un cadeau de tous, un tableau fait par notre charmante peintre Liliane Anquèze. Voilà, c'est le même standard que celui-là qui sort sur la télé. Il réunit les couleurs des deux pays qui te sont chers. Tout simplement, c'est parce que celui-là, j'arrive pas le quota à dire, tu sors par le HDMI à la caméra. Voilà. Si tu arrives à la caméra, tu sors par le HDMI. Et là, tu arriveras à dire par le HDMI. Et puis là, tu finis par le HDMI. J'ai une prise HDMI sur l'ordinateur avec ma HDMI. J'allais voir pour l'instant, je passe par le tiroir sur un autre ordinateur. Voilà, quand on sait ce que c'est, c'est un petit majeur. Qui m'avait envahi tout à l'heure dans la salle Malgro, elle s'est démultipliée. Franchement. Et je tenais à vous remercier du fond du cœur. Je vais commencer par nos sœurs, Françoise, Lily, Isabelle, Caroline, est-ce qu'elle est là? Elle va venir. Martine qui est au fond là-bas. Merci. Et mes frères Michel, Joël, Jean-Jacques, je t'oublie pas, le photographe, et celui qui garde... je ne vais pas être vulgaire, mais le pognon, le nerf de la guerre. Franchement, René aussi, hein, je ne t'oublie pas. Si je... Et puis, il y a Lydia qui m'accompagne partout par rapport au collectif des écrivains nègres. Je veux dire merci. Merci à Hervé, Hervé il m'entend. Merci au caméraman Pierre. Ah, je t'ai pas oublié toi aussi. Et à mon jeune frère David et Rémi, franchement. Mais je vous remercie tous. Les mots manquent pour exprimer toute la joie, tout le bonheur que je ressens au milieu de vous. J'ai été franchement surpris ce soir. Personne n'a soufflé le mot. Pourtant, j'ai dormi hier à Yen. Ça ne m'a rien dit. Mais franchement, merci, merci et continuons le combat de la culture qui rapproche les peuples. Nous, notre arme, c'est la poésie, c'est l'écriture, c'est
c'est notre bombe à nous. On ne tue pas, mais à travers les mots, on rapproche les peuples. Et je tenais aussi à vous inviter pour la semaine, à vous redire que la semaine prochaine, le samedi prochain, il y aura l'inauguration de la place de Saint-Gor, et puis le soir, un dîner dansant avec des sacrés musiciens, artistes qui vont venir, et ça se passe hier. J'aimerais vous voir tous. J'oubliais quelqu'un, mais franchement, qu'il faut garder, Michel. Lui, il va nous tracer la route, tellement il est organisé. Je cite et je le remercie, Frédéric Lheureux. Franchement, merci beaucoup. Bravo le travail. Merci à vos amis que je ne connais pas de nom. Merci à vous tous pour cet anniversaire. Pour mes 20 ans en tout cas. Je te vois la merci. Allez, enlève le verre. Merci à tous. Je suis désolé.